La deuxième édition du Gala de Bienfaisance organisée par la Banque Humanitaire du Palais s'est déroulée sur deux jours cette année au Parc de la Beaujoire de Nantes. Deuxième édition et deuxième succès avec au programme chansons, magie, ventriloque et bien d'autres encore. J'ai jamais eu les pieds. Cette deuxième édition du Gala de Bienfaisance, ça a été vraiment royal, c'était du haut de gamme. Royal parce qu'on avait 2360 personnes en gros, et puis 54 associations de trois départements qui ont œuvré avec nous pour cette grande manifestation de solidarité. Beaucoup d'artistes. 11 artistes, très exactement, de tous les genres, une technique irréprochable, sans lumière, avec du laser. Certaines associations pensaient qu'on faisait de l'animation de patronage, mais ils se sont rendus compte très vite, dès le départ, que c'était du haut de gamme. Voilà. Quel est le but justement de ce gala ? Alors, le gala de bienfaisance, je l'ai créé il y a 2 ans, parce que les artistes se mettent à notre disposition pour faire la fête. Nous avons comme gros partenaire la revue de la cloche à Nantes-la-Beaujoire. Et donc le système il est le suivant, c'est-à-dire que les associations vendent leur place. Et 3 jours après, ou même aussitôt, d'ailleurs c'est arrivé ce matin, on leur redonne le chèque de ce qu'ils ont vendu. Voilà. Ça permet aux associations de participer concrètement, hein, mais ils n'ont aucun frais, on s'occupe de tout. Nous on a tout gratuit, voilà. C'est ce qui s'appelle donc partager tout simplement. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a ? T'as fait la grande fille sur le côté ? Oui, qu'est-ce qu'elle a la grande fille sur le côté ? Elle est drôle, mon Dieu, de lancer, dis donc ! Elle est comme ça ! C'est pas vrai. Tout à l'heure, tu te donneras des 40 heures. Oui. Tout à l'heure, elle te donnera des 40 heures. Pour l'instant, tu m'écoutes. D'une oreille. Ah. Et tu me regardes. D'un œil. Et qu'est-ce que tu fais de l'autre œil? Je drague. Oh, mais c'est pas vrai. Nous, nous dis donc. Tiens, il y a quelqu'un qui cause. Oui, c'est toujours la même chose. Oh, t'as fini. Je nous charge seul. Ferme-la. Non, mais dis donc. Je devrais t'essuyer les yeux quand tu te leurres. Ça va. Ferme-la, je nous charge.
succès concernant le spectacle, mais succès également côté argent destiné aux associations. Alors le premier gala, il a rapporté dans les 30 000 euros et quelques. Là, on va arriver dans les 45 000 euros, donc répartis aux associations sociales ou humanitaires, mais qui ont vendu leur place selon le nombre de ce qu'ils ont vendu. Donc c'est le principe, et il est très très bien comme ça. Les associations courent toujours pour avoir des sous avec les subventions, faire des fêtes qui marchent ou qui marchent pas, bon peu importe. Mais là, c'est du concret, c'est du solide, c'est vraiment de la grosse pointure. Donc voilà, c'était un système que j'ai trouvé qui fonctionne plus que bien. Ma biche. J'ai très chaud sur ma biche. Ma bicyclette. Alors vous savez, ils m'ont tout dit cette année, ils vont tous se doper. Avec des petites fringues, des grosses fringues, des pompes à vélo. Ils se piquent du vélo, c'est de la couture. Comptador, je vous en foutrais, moi. Un concept original créé par le président Jean-Marie Roussière pour partager tout simplement.